maire certaines attributions du conseil municipal. Numéro 27 du 7 juin 2011. Sortie inventaire communal matériel des broussailleuses de la RN 114. Considérant que les broussailleuses ne peuvent plus être affectées au service technique et doit par conséquent sortir de l'inventaire communal la débroussailleuse RL 114 numéro de série 41978 sera reprise pour un montant total de 100 euros par la société Mécagricole 6-22-87 route de Saint-Réau. Cette reprise viendra en déduction de la nouvelle débroussailleuse achetée à cette société. Numéro 28 du 16 juin 2011, service environnement, régie de recettes, encaissement des droits de dépôt de déchets. Décision numéro 48 du 31 décembre 2020, port de liste de Bordeaux et autorisation d'occupation temporaire du domaine public. La société Ricard est propriétaire de l'île de Bordeaux, principalement affectée à l'activité hôtelière. Cependant, la commune de Bandol a eu récemment connaissance de l'occupation sans droit ni titre par cette société du périmètre portuaire de l'île de Bandol appartenant au domaine public maritime et ce depuis 1984. L'analyse du dossier a permis de constater que la société Ricard n'accueille ni ne gère aucun équipement ni service public municipal sur ce périmètre portuaire. Par ailleurs, il est apparu nécessaire pour cette société de disposer d'un accès et d'une desserte de sa propriété privée. Ainsi, bien qu'une procédure relative à la gestion durable du port de Bangor soit en cours d'élaboration, il a été convenu de la nécessité de régulariser la situation actuelle d'exploitation du port de Bangor par la société Ricard. La société Ricard a ainsi sollicité la commune de Bandol pour bénéficier d'une autorisation d'occupation temporaire du dit site. Elle a également déclaré être consciente de la dangerosité potentielle du site et s'est engagée à assumer seule les contraintes législatives et réglementaires ainsi que les responsabilités pouvant résulter de cette situation. Cependant, il est indispensable pour la société Ricard de bénéficier d'une telle autorisation d'occupation en raison de la nécessité absolue pour elle de disposer d'un accès à sa propriété privée. Par ailleurs, à l'occasion d'une visite des installations portuaires, ont été relevés tant le caractère submersible de l'île, les largades, que l'exposition des bassins au ressac, comme constituant des risques non négligeables pour la sécurité des touristes. Il est ainsi nécessaire de régulariser la situation actuelle, notamment en définissant précisément les conditions réelles d'occupation du périmètre portuaire concerné. La convention s'y annexée a donc pour objet, d'une part, de régulariser l'occupation sans titre par le titulaire société Ricard du port de l'île de Bandol à compter du 1er 1984 et jusqu'au 31 août 2010. Et d'autre part, de conférer au titulaire une autorisation d'occupation temporaire du domaine public à compter du 1er janvier 2011. Il convient de préciser que du fait de la situation juridique spécifique de l'île de Bandol, île purement privée, dépourvue de tout équipement municipal, cette autorisation d'occupation temporaire du domaine public porte sur la totalité du périmètre transféré à la commune par l'État en 1983 et sur une durée de 2 années et pourra être renouvelée expressément. Cette convention porte sur les biens, meubles et immeubles du domaine public inclus au périmètre de 5 540 m². Le titulaire doit donc être autorisé d'une part à utiliser les ouvrages et installations existants dans le périmètre défini à l'article 2 de la convention s'y annexer, à charge pour lui d'assurer à ses frais exclusifs leur entretien, leur renouvellement et leur exploitation dans les règles de l'art.
loi n'ait notamment assuré cette obligation pour les feux de signalisation, les ouvrages de protection, chenaux et plans d'eau, les ouvrages d'amarrage et mouillage, les terre-pleins, les réseaux de distribution d'eau douce et d'électricité. D'autre part, cette convention transfère à la société Ricard la charge de l'entretien et de renouvellement des ouvrages de la totalité du périmètre et au final de la mise en sécurité pour un site sur lequel, a priori, la commune n'a pas de moyens d'intervenir. L'essentiel périmètre étant occupé par la société Ricard. Enfin, une clause limitative de responsabilité pour les dommages qui pourraient être causés à des tiers du fait de l'existence et du fonctionnement des ouvrages est incluse dans cette convention, obligeant la société Ricard à souscrire toutes les garanties d'assurance à cet effet, et y compris en matière de responsabilité civile, afin de garantir au mieux la commune contre tout recours qui serait exercé à son encontre. Le terme de la présente autorisation est fixé au 31 décembre 2016. Il y avait eu un procès-verbal de mise à disposition signé par la DDE Maritime, et il n'y avait pas de convention finalement, il y avait uniquement un procès-verbal de mise à disposition. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si j'ai compris, l'île de Vendor, comme on dit, elle est privée. Par contre, le port, donc le domaine maritime, qui, le domaine maritime, met à disposition de la commune, et la commune met à disposition de Ricard. C'est-à-dire que Ricard, aujourd'hui, s'il reçoit des bateaux, peut se faire être privé. C'est pas interdit. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il n'a aucune installation, ni eau, ni électricité. Alors, on peut penser. Et ma deuxième question, c'est est-ce que puisque on se trouve dans la même configuration avec le port Athéna, est-ce que pour le port Athéna, on a une convention de mise à disposition? Est-ce qu'elle est en règle? Est-ce qu'elle est à jour, entre guillemets, quoi? Oui, alors on a vérifié, elle est à jour et elle doit se terminer en 2012. Ce qu'il faut rappeler, c'est que quand on a récupéré le port de Vendôme, puis le transfert de l'État qui a accepté de donner à la commune de Vendôme le port, on récupérait en même temps les ports annexes, c'est-à-dire Vendôme et Athéna. Athéna, je crois qu'on avait voté une convention parce que ça a urgé beaucoup plus parce qu'il y avait le problème de la digue, etc. Enfin, je rappelle que les copropriétaires ont renforcé la digue du port d'Athéna. Moi, je voulais savoir pourquoi on prend cette maison, pourquoi on n'a pas fait des logements sociaux pour les familles bandolaises. Monsieur le maire, pour répondre. Oh oui. Parce que pour avoir un logement social maintenant, il faut une place de stationnement, mais il n'y a pas d'accès pour les stationnement. Comment ? Ils sont en train de rassembler ce puzzle pour faire effectivement
pratiquement 10 immeubles. Ah bon? Et oui. Alors, monsieur le maire, moi je pense que vous n'êtes pas informé, c'est étonnant que le maire de la commune ne sache pas qu'il y a. Des bruits, monsieur le maire. Je me permets d'attirer votre attention là-dessus en vous disant attention, il va y avoir à cet endroit-là, sûrement dans les années à venir, un programme immobilier important dans lequel il n'y aura plus de problème de parking. Et je pense que la commune devrait garder ce bâtiment en réserve, en vue de négocier justement les fameux logements sociaux que vous revendiquez et qui sont utiles, dans la mesure évidemment où on loge les Bordelais, parce que si c'est pour loger les gens de l'extérieur dans votre prix le soir, arrivent pour se dormir et le matin de la poubelle, ça ne nous intéresse pas trop, bien qu'il y a des spécialistes ici dans le ramassage de poubelles, effectivement. Mais je pense que pour Bordeaux, il est important de faire de la réserve foncière et de ne pas brader des bâtiments qui pourraient servir en dation pour faire du logement social, parce que, monsieur le maire, j'attire votre attention, il y aura, dans les années à venir, à cet endroit-là, moins que dans le PLU, vous mettiez une zone de protection, ce que vous pouvez faire, effectivement. Mais si, effectivement, vous mettez une zone de protection et qu'on ne peut pas bâtir, ok, mais sachez qu'à cet endroit-là, ça va mettre au début. Je souhaite accorder un permis de construire à la société civile immobilière Pompéion, représenté par M. Éric Bar, son gérant, en vue de la construction d'un bâtiment élevé d'un simple niveau à usage de station de lavage, un local technique accolé à des appareils de lavage de type rouleau indépendant et box avec nettoyeur d'occupation sur la parcelle cadastrée à L151 d'une superficie de 520 m² appartenant à la commune. La commune souhaite céder la dite parcelle à SCI Pompéion sous forme d'un bail à construction d'une durée de 20 années. Cette cession de droit à construire fixe que le bénéficiaire du bail pourra verser à la commune sous forme de loyer capitalisé la somme de 2 560 € par an. Le montant de ce loyer est conforme à l'estimation du service des domaines réalisé le 27 janvier 2011. Et donc, une copie demeure ici. Sur le fond, je ne suis pas contre ce lavage, puisque ce terrain a été passé de la Sogeva à la ville. Mais comme je l'avais dit par le passé, c'est sous la forme. C'est-à-dire que je regrette qu'il n'y ait pas eu un appel d'offres. Parce que je pense qu'aujourd'hui, une aire de lavage, bon, on sait ce que ça peut rapporter. Je pense que si la ville avait fait une publicité normale, dans la presse ou sur Internet, je pense qu'il y a eu des candidats, et de nombreux candidats, qui se sont manifestés. Donc, je m'abstiendrai sur cette idée-là. Le choix de qui vous savez qui est cette personne, c'est la, le propriétaire du centre commercial. Donc, il voulait réaliser une unité. C'est tout, voilà. C'est simplement, et je n'ai eu aucune proposition depuis plusieurs années. Hein. Et lui étant à côté, je pense que. Pas possible.
possible dans le... Ah, il y avait une partie qui était possible. Non, 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 ça a été... Dans l'ensemble des carrés ou un truc comme ça, il faut qu'on fasse comme Odorat. Voilà, exactement, exactement. Ici, c'était prévu. Mais je vous rappelle que celui qui a le terrain, c'est le même. Qui a le terrain de quoi? Ben, qui est à côté du moulin de mal, qui est dans la... C'est le même. Le potier? Oui. Oui. C'est lui qui a racheté. Parce qu'il ne veut absolument pas qu'on étende le parking. Non. Sur la réalité des choses. Parce que commercialement, il n'a pas adhéré. Est-ce que la ville nous est à bon? On part pour prendre les Français au cœur de merde devant les établissements des palmiers, des jeux de boules. Ceci est dû à la surverse. Et vous le savez, monsieur le maire, la surverse de cet égout qui va être installé dans des normes qui ne sont pas, sembleraient, au point, puisqu'il y a une surverse d'eau usée, d'eau douce, qui coule actuellement à flot dans le port de Bondol et qui va ensuite aller vers les plages. Monsieur le maire, j'attire votre attention là-dessus. Vous qui êtes vraiment en disant « je suis médecin, la santé avant tout, faisons attention », aujourd'hui, le port de Bondol est une fosse septique à ciel ouvert. Alors, je vais vous répondre. Cette élaboration des profils des eaux de baignade est obligatoire, puisque c'est l'ARS qui nous a envoyé ce document en janvier 2011 en disant « mon service vous rappelle l'obligation d'élaborer pour chaque zone de baignade, je suppose que vous ne baignez pas dans le port, de votre commune un profil de vulnérabilité. Je vous rappelle qu'en application de l'article D 1332-21 du Code de la santé publique, chaque personne responsable d'une eau de baignade doit transmettre le profil correspondant et son document de synthèse au plus tard, le 1er décembre 2010, au maire de la commune concernée qui doit les transmettre au préfet au plus tard, le 1er de rigueur. Donc, on n'engagera donc d'enlever ces boues et ces sédiments dès que on aura terminé le diagnostic qui va se réaliser très prochainement. On en avait fait une partie, mais ce n'est pas suffisant. Il y a une partie qui est rouge, qui se trouve à côté de l'aire de carénage. Et là, ce n'est pas un problème de pollution d'odeur, c'est beaucoup plus grave. C'est un problème par des métaux, hein, des métaux lourds, du mercure ou autre chose. Et ça, ça date effectivement de nombreuses années. Ensuite, il y a une pollution qui est, disons, orange au milieu. Et il y a, on peut dire, une zone qui est plutôt verte vers le stade. Donc, conscient de tout ça, on a décidé de faire des prélèvements complémentaires qui vont être effectués dans les mois qui viennent. Et ces prélèvements vont nous permettre ensuite de faire un appel d'offres pour évacuer ces sédiments. En toute, bien entendu, en toute clarté, parce qu'on serait informé. Et bien entendu, ces sédiments iront dans des coins où ils seront bien sûr traités. Je réponds à ma question. Il y a eu des gros travaux qui ont été faits dans le port de Bondol, parce que, effectivement, vous aviez deux sortes de canalisations. Vous aviez une canalisation centrale qui passait dans les vallées du Bien. Et vous aviez une canalisation parallèle qui passe sous le quai, qui passe devant l'office du tourisme. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, ces canalisations étaient soit bouchées à moitié par des enracinements, soit il n'y avait pas disons, d'étanchéité. Et ça, c'était beaucoup plus grave sous le quai, puisque comme il n'y avait pas d'étanchéité, ces eaux produites allaient directement. Donc actuellement on a fait un plaçage, on ne peut pas faire autrement. Et après ces eaux, on fera la pose définitive des. Ça sera des adducteurs, mais en gros en plastique, en gros plastique pour limiter justement et quand il y a les flux au-dessus de la mer, ça ne rentre pas et ça ne vient pas accumuler à toutes les eaux usées. Voilà, c'est pour ça qu'on a fait des heures actuellement. Mais on ne fera qu'à partir de cette année, les derniers travaux vont se faire. On a fait des travaux et justement on a curé le tour de cette marmite, parce que moi j'appelle ça une marmite,
curage, c'est que le camion a levé ce curage, les a mis carrément dans sa benne. Effectivement, il y avait de l'eau polluée à l'intérieur et c'est parti dans la conduite de, comment ça s'appelle, des eaux de pluie et c'est rentré dans le port. C'est vrai, je vous l'apporte. Mais on ne pouvait pas faire autrement. Sinon, c'était très gros. C'est la colère des Bordelais et je trouve insupportable ce statistique que vous avez en disant de toute façon, c'est pas grave, on va laisser expédier les gens dans la mer pendant le mois de juillet, août à Bordeaux et on fera les travaux au mois d'octobre. Bravo, je vous félicite. On va arrêter. Je peux vous dire que. Calmement, vous êtes le seul à vous énerver. Mais oui, parce que je suis passionné par l'envol, je suis. Parce qu'ils ne peuvent pas entendre véritablement la vérité. De la vérité, c'est que les travaux sont mal faits, encore une fois. Et quand on vous demande d'arrêter de faire des travaux dans l'envol, parce que tout ce que vous faites, c'est mal fait. Arrêtez, occupez-vous des jardins fleuris, fleurissez-vous la vie. C'est vraiment dramatique, monsieur Sauzé. Alors, on a un pilote qui servait justement. De ces bouffines. Et derrière ce pilote, devait se construire une usine de traitement, justement. Est-ce que le VAR s'est doté de cette usine? Je vais demander peut-être à un qui s'occupe de la CRID. Je voulais savoir pourquoi aujourd'hui on a le droit de droguer fort. La législation a changé parce qu'on n'avait pas le droit de droguer fort. Justement, en attente de la mise au point de cette usine de traitement des fous de portuaires. Donc, d'où vient, parce qu'apparemment, vous avez le droit de draguer le port, ce qui est montré. Oui, parce que la société qui est venue nous en informer, c'est la société de Rade, d'ailleurs, hein, qui nous a dit que c'était possible, donc ils ont des autorisations que la moi, je voudrais parler de la façade du casino. Ouais. Je suis très étonné qu'on peut mettre des charpentes et qu'on repasse la façade du casino en cours de saison. Oui. Ça ne vous étonne pas, monsieur le maire? Non. Vous savez, vous avez signé un arrêté qui interdit de faire des travaux, qui interdit de faire des travaux en juillet-août. Les entreprises en Vendôme ne peuvent plus travailler. Et je m'aperçois qu'on fait la façade du casino. Paye la façade, c'est la ville. Alors, je vais répondre à vos questions. D'abord, l'arrêté qui a été fait, c'est pour les nuisances sonores, c'est pour les travaux de terrassement. Et donc, pendant les deux mois, parce qu'effectivement, on estime que c'est une station balnéaire et touristique, que quand vous payez 1000, 2000 ou 3000 euros pour venir une semaine, et quand vous avez le voisin qui vous met le marteau-piqueur ou qu'on terrasse une piscine, c'est tout à fait normal. Anormal pour l'économie de la commune. Et puis, je pense quand même que je sais qu'il y a eu quelques histoires, mais les personnes hein, qui s'occupent de réaliser des maisons ou autre chose font un planning. Et quand ils ne respectent pas ce planning, c'est pas à la municipalité à intervenir. Ensuite, je vais vous dire, le casino, c'est vrai qu'il y avait un problème d'effritement. Et donc, le directeur du casino est venu nous signaler ce problème et donc j'ai pensé qu'il y avait quand même une urgence à refaire cette façade. Ça fait déjà 50 ans qu'elle n'a pas été refaite. Non, ça c'est faux, c'est faux. Ah, mais ça ne pouvait pas attendre le mois. Ça ne pouvait pas attendre le mois. C'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie. C'est une personne juive. Alors je vous signale que la façade du casino, les peintures sont soumises à la cour de l'architecte. Et qu'à l'époque, c'était M. Landel, que vous aimez bien, puisqu'il s'est occupé de la cantine. Donc, monsieur, oui, enfin, c'est... on est bien loin du... Je voudrais revenir là-dessus, parce que je ne sais pas qu'est-ce qui va sortir comme façade, mais est-ce qu'elle a eu l'accord de l'architecte des bâtiments de France. Des bâtiments de France. Oui. Elle a eu l'accord. Oui. Qui dit oui? Ben, c'est le responsable de l'urbanisme. Elle est comment la façade? Comment? Elle va être quelle couleur? Blanche et gris. Ah donc on reprend les mêmes couleurs? Non. Parce qu'il y avait du bleu actuellement sur la façade droite. Ce sera blanc et gris uniquement. C'est uniforme, ce sera bleu. Actuellement c'est blanc, gris, bleu et jaune. Mais il y avait des bandes, je ne sais pas quoi. Enfin, il y avait un projet bleu. Voilà. Et vous faites Non. Enfin moi je suis quand même étonné, je ne suis pas le seul. On est une station touristique, on refait la façade pour le 14 juillet. Je pense que c'est le summum. Le blanc-rouge. Il y a un autre week-end où vous pouvez faire des travaux, il y a 15 août.
Comme ça, on a le total du moment où il y a un maximum de production dans l'eau. C'est le plus.
sport qui est en pleine évolution. Et c'est vrai que depuis 3 ans, il y a une évolution sur les événementiels sportifs de la BIS. Je pense qu'on va faire du... je pense que Bandol peut être un site pour l'organisation d'un événementiel tel que les sports de glisse. Voilà. Bon, je pense qu'on mènera les sports de glisse. On verra ça. Tiens, on attire l'attention quand même, 35 000 euros, c'est pas rien. Votre projet, je m'aperçois que vous êtes incapable de présenter un budget prévisionnel et un calendrier qui tient la route. Enfin, je sais pas. Maintenant,
je peux le dire, ça n'a pas été engagé pour cette année et on se retrouve à faire cette manifestation qui était prévue au mois d'octobre pour cette année. Elle se retrouve pour deux raisons. Ici les gars, c'est qu'on n'a pas le les yeux et je ferai également des
préfet du Var que le choix a été fait de la fusion de la communauté d'agglomération Toulon-Provence-Méditerranée avec les communautés de communes Sud-Sainte-Baume, Vallée du Garou, Méditerranée-Porte des Morts et les communes de Saint-Lary-sur-Mer, Colombrières et de La Bonne. Cette solution apparaît en total décalage pour la communauté de communes Sud-Sainte-Baume avec la réalité vécue par les populations concernées et avec le travail que conduit au quotidien la communauté de communes. Le projet, s'il aboutissait, conduirait à la disparition de l'intercommunalité telle que nous la connaissons aujourd'hui. Une intercommunalité qui vient d'être renforcée par l'arrêté préfectoral du 20 décembre 2010 intégrant la commune de Bandol. Les communes membres de la communauté de communes Sud-Sainte-Baume ont été les premières dans le département à mettre en œuvre, et ce, dès le 25 7 1994, les dispositions de la loi du 6-02-1992 en se regroupant dans cette nouvelle forme d'intercommunalité. La ville de Bandol souhaite aussi souligner des points importants pour appuyer cet avis défavorable au projet de schéma préfectoral. 1. Dans le domaine des idées maîtresses, que sont les compétences optionnelles touchant la protection de l'environnement, nous développerons une politique de développement durable. Dans ce cadre, il sera réalisé une politique transversale des mobilités durables autour des sites fortement touristiques, mise en place d'une politique écomobile. Également réaliser une politique de diversification des ressources énergétiques au niveau intercommunal, compte tenu de notre fragilité due à la péninsule électrique dans laquelle se trouve le département du Var. Dans ce cas, une réflexion commune avec les autres communes de Sud-Sainte-Baume sera réalisée pour la création d'un réseau de chaleur et le développement des énergies renouvelables. Dans le cadre, deuxièmement, dans le cadre du schéma départemental et des 6 orientations, TPN n'a pas cette politique de développement durable et notamment de politique globale sur la préservation des ressources naturelles et la réduction des gaz à effet de serre. Ainsi, il est nécessaire de garder son identité et sa volonté politique en termes de développement durable, même si des connexions avec TPN sont possibles sur certains projets, comme le contrat de D Bandol-Sanary-Sifour en cours de réalisation. On peut en effet se poser la question du poids de Bandol et de Sud-Sainte-Baume une fois intégrés dans TPN pour impulser une telle politique si cela n'est pas la priorité des autres villes de TPN. Troisièmement, toujours dans le cadre de la protection de l'environnement, il convient de gérer de façon coordonnée le risque d'inondation à la lumière de l'étude réalisée pendant ces 2 années par la ville de Bandol. Le Grand Valat sera le cœur des discussions pour le PPRI et ce PPRI concerne 4 communes, Bandol, La Cabière, Le Castelet et Sanary. Une structure de travail verra le jour en collaboration avec l'État, le Conseil Général et Escota pour réaliser surveillance, nettoyage, zone de rétention, recalibrage de la rivière et redimensionnement de certains ouvrages. Quatrièmement, en matière financière et fiscale, après la réunion en préfecture du 1er juillet, où j'ai particulièrement insisté sur l'absence d'études financières réalisées par les services de l'État et a fortiori par TPN, je vous fais part des remarques de M. le Préfet. Plusieurs élus m'ont cependant fait valoir, je cite, avec raison, la nécessité de disposer de simulations financières et fiscales précises pour que leur collectivité puisse se déterminer en toute connaissance de cause. Les applications nationales permettant de procéder à ces simulations sont en cours de mise au point et ne seront disponibles que d'ici quelques semaines. Afin de concilier le respect de la loi et le souhait légitime qui serait le vôtre de disposer de données complémentaires, il me paraît indispensable que votre collectivité délibère
des délais prévus, y compris sur la délibération adaptée, fait état des réserves tenant au caractère incomplet des informations actuellement disponibles. Dans cette hypothèse, votre conseil municipal pourra adresser ultérieurement, une fois en possession des simulations qu'il jugera nécessaire, une délibération complémentaire, et ce, même au-delà du délai de 3 mois. À ce sujet, fermez la parenthèse, je vous livre les remarques qui peuvent à l'heure actuelle être apportées par notre consultant financier, Kofler. La fusion va entraîner de manière mécanique une harmonisation des taux de CFE appliqués sur le territoire. Le taux de CFE appliqué à Bandol devra converger avec le taux moyen de CFE appliqué dans chaque commune, pondéré par des bases d'imposition. En 2010, le taux de CFE de Bandol s'est élevé à 26,26%. À partir de 2011, il converge avec le taux de CFE voté par la communauté de Sud-Sainte-Baume, c'est-à-dire qu'il est orienté à la baisse de l'ordre de 7%. Dans le cas d'une application du STCI, et bien que nous ne soyons pas en possession de tous les états fiscaux indispensables au calcul exact du taux moyen pondéré, nous pouvons estimer que la fusion entraînerait une augmentation sensible du taux de CFE pour les contribuables bandolais de l'ordre de 25%. Ce constat s'explique par le taux plus élevé de la CFE appliqué par TPM, 35,5%, alors que l'agglomération apporte 61,11% des bases. Mais un autre débat pourrait se révéler plus sensible. En effet, en sus de la fiscalité professionnelle unique qui succède à la taxe professionnelle unique, l'agglomération toulonnaise a décidé de lever une fiscalité mixte nommée taxe additionnelle à côté de la fiscalité frappant les entreprises. Alors, si le nouveau groupement décidait de conserver la fiscalité mixte votée par TPL, les ménages bandolais seraient mis à contribution. Un ménage moyen bandolais avec une personne à charge devrait 27 euros par an sur la taxe d'habitation. Compte tenu du potentiel financier par habitant, Bandol se situe dans le cas favorable dans l'ensemble des 32 communes que l'on veut regrouper, avec Saint-Cyr, Sanary, Cille et les villes de Sud-Saint-Denis. Ainsi, compte tenu des décisions de TPL et de notre compte économique et financier favorable, Bandol et Sud-Saint-Denis, au vu de cet audit financier, auraient tout à perdre dans le cadre de la fiscalité actuelle, en mettant à contribution les ménages de Sud-Saint-Denis et en augmentant la CFE. Cinquièmement, en matière de transferts supplémentaires à ceux déjà en cours, l'organisation de transport urbain laisse supposer que la commune aurait à transférer la gestion des parcs de stationnement et la gestion de l'assainissement collectif. Quand on connaît le bon fonctionnement de notre régie des parkings et aussi l'intérêt pour la commune de décider de ses travaux qui sont liés à son assainissement, on peut se demander si ce n'est pas TPL qui décidera non seulement de l'urbanisation, mais aussi des travaux des bandolets. Quant au mode d'organisation des équipes administratives et techniques, il faut tenir compte de la volonté des agents transférables, car tout transfert sans l'accord du fonctionnaire se traduit par des mutations avec augmentation importante des charges communales. Ainsi, pour toutes ces raisons, nous ne pouvons que proclamer notre volonté de rester à Sud-Saint-Denis, de renforcer le dynamisme des compétences, de garder l'identité communautaire, son harmonie et le bien-être de son territoire, et surtout de ne pas participer à la fabrication d'une intercommunalité artificielle sans projet partagé. Cette proposition actuelle de l'État induirait des conséquences négatives évoquées en partie par l'audit que nous avons réalisé, à savoir explosion de charges de fonctionnement, hausse de la fiscalité locale, affaiblissement des prérogatives des
maire de Suisse-Saint-Baume, perte des décisions municipales en matière d'urbanisation, de cadre de vie et de travaux. Ainsi, je vous demande d'exprimer un avis défavorable au projet actuel proposé par l'État en accord avec notre conseil communautaire. Pour le prendre à savoir également l'étude foncière d'implantation.
l'implantation d'un lycée général pressenti depuis longtemps à Sifour, afin que nos lycéens n'aillent plus jusqu'à la Seine. La réforme d'État s'impose à nous. Dirigez, c'est prévoir. Garantissez-nous une perspective sérieuse et crédible dans l'intérêt de Bandol et des Bandolais. Je crois qu'on a répondu à ton sujet. Sauf le lycée. Le lycée, je vais répondre gentiment. Longtemps, il était question d'un lycée Westbar. Lycée Westbar, qui a été porté pendant des années. Et en fait, la décision a été prise par l'éducation nationale, un beau jour, de renforcer le Langevin, qui était uniquement un lycée technique, en faire un lycée aussi général, et de renforcer le Grand Bossier et la Côte d'Ouvert. Et donc, le lycée Westbar n'a aucune existence. Et aujourd'hui, ce n'est pas la communauté Sud-Sainte-Baume qui pourra changer l'idée du besoin d'un lycée dans la communauté Sud-Sainte-Baume. C'est impossible aujourd'hui. Il n'y a ni les profs, ni les élèves. Parce que vous savez qu'un lycée, pour qu'il fonctionne, il faut qu'il y ait suffisamment d'effectifs pour avoir suffisamment d'options, etc. Donc aujourd'hui, il n'y a pas matière à croire qu'un lycée peut être un projet. Quant au contrat de B, moi je ris doucement parce que. Enfin, je ris doucement. Je ne ris pas parce que ça ne s'est pas fait. Mais dans le cas du SCOT, il y a une partie mère qui devait se développer, et dont j'étais chargé à l'époque quand j'étais au SCOT, pour essayer de définir l'utilisation du rivage et de la mer, de ce qu'on pouvait faire dedans. Alors, il y a eu un premier travail qui a été fait à Toulon, c'est le contrat de B, mais on sait pourquoi on a fait un contrat de B à Toulon. Quand on est Toulon, on sait très bien que c'est une baie très fermée, qu'il y avait besoin, qui était en avance. À l'Est, vous avez des idées avec Corporate National, donc ça, ils sont en train de travailler. Parce que c'est inscrit déjà depuis 15 ans ou 20 ans, et on a fait déjà le SCOT. Et quand on me parle de protection de l'environnement, etc., quand on a fait le schéma d'orientation que vous avez voté tous ici, hein, on en a voté, hein, vous avez tous voté, je vous rappelle. Hein. Ce schéma a pris en compte tous ces besoins. Hein, la partie agricole de Sud-Sainte-Baume, la protection des vignobles, etc., les espaces verts, les continuités, tout ça, ça a été pris en compte dans le schéma cohérent. Donc aujourd'hui, quand je vois dire on va faire Sud-Sainte-Baume, on va s'occuper de l'environnement, attendez, de la protection agricole, il y a longtemps que c'est prévu dans le schéma de cohérence territoriale. Donc aujourd'hui, si vous voulez, il n'y a rien de nouveau. Alors, moi, je m'abstiendrai sur ce projet-là. Pourquoi? Parce que d'abord, monsieur le maire, le projet du préfet, qui connaît le projet du préfet ici? Nous, élus de Bandol, est-ce qu'on a un document qui décrit le préfet, le projet du préfet? Quel projet? Vous le connaissez, vous? Vous avez lu dans Varmateur, alors j'ai répondu au Varmateur. Mais on n'a jamais eu de projet. On n'a jamais eu de document qui nous dit le projet. Moi, je n'ai pas eu, avec les délibérations, j'ai rien. Vous n'avez jamais eu le projet sur lequel le préfet a dit qu'il y a Non, mais attendez, moi je suis au conseil municipal, vous demandez aux élus de se prononcer sur le projet du préfet et on n'a pas d'écrit ici. Attendez, on discute sur la rumeur. La seule chose que vous sortez, vous donnez l'avis du conseil communautaire, vous nous l'avez lu. Bon, très bien, mais est-ce que vous avez remis avec la délibération, est-ce que vous avez mis à la délibération le projet de la voie? Vous êtes dans ma seule réunion de travail où j'ai convoqué tout le monde et on vous a distribué. Vous l'avez laissé dans un coin. Voilà. On l'a eu, ben oui. Ben oui, l'a eu, puisqu'il y a une idée. Tous ceux qui ont daigné venir l'ont eu. Voilà. Oui. Mais oui, vous l'avez eu. Ah, mais si vous étiez absent, Henri, vous l'avez eu. On l'a eu. Là, oui. Il a été distribué. Non. On a eu une réunion de travail là-dessus? Je me souviens pas avoir un document. Non, mais quand t'as fait, tu as eu la réunion de travail. La réunion de travail, vous n'allez pas avoir. La réunion de travail. Non, vous avez perdu. Non, c'est quand même important. Non. Hein? Non,
Moi, je vais pas marquer le match. Et je vais faire le coup. Ce projet de schéma départemental de coopération intercommunale du Var est une application de la réforme des collectivités territoriales qui, je le rappelle, a été adoptée de justesse au Parlement. De justesse au Parlement. Mes chers collègues, nous sommes attachés au maintien de nos compétences de proximité. L'éloignement progressif des citoyens des lieux de décision porte atteinte à la démocratie. L'État souhaite regrouper les structures pour mieux les contrôler. Et au sein d'une métropole de 600 000 habitants, nous allons glisser progressivement vers une réduction des compétences et des moyens. Bref, d'autres décideront pour nous. C'est ça le problème, monsieur le maire. Et les citoyens bandolés n'iront plus que dans les mairies pour regarder l'état civil. Voilà, le foncier, tout ce que vous avez expliqué, ce sont des réalités, monsieur le maire. Nous devons rejeter à l'unanimité ce projet, monsieur le maire. Et moi, j'en appelle à mes collègues. Nous devons rejeter pour aller vers d'autres concertations. Voilà ce que je voulais vous dire, monsieur le maire. Merci beaucoup. C'est très clair. Oui, monsieur le maire. Bon. Moi, je vais faire une intervention, mais ça concerne l'intervention de monsieur Christian Delot. Il n'est pas présent, il est aux États-Unis, il est en prison à l'heure actuelle. Il visite Alcatraz. On va peut-être le laisser sortir. Alors, c'est son avis. Hein. Voilà ce qu'il dit. Je voterai contre le projet de schéma départemental de coopération intercommunale proposé par le représentant de l'État. Ce dernier, qui ne fait qu'appliquer la loi de décembre 2010, n'acceptera pas une fin de non-recevoir sans contre-proposition pertinente. Aussi, je vous propose comme solution alternative au schéma du préfet du Var, un pôle métropolitain qui réunirait les EPCI réunissant les 32 communes concernées. Dans le groupement que je vous propose, car le pôle métropolitain n'est pas un EPCI, mais un groupement d'EPCI, la communauté de Sud-Sainte-Baume et par conséquence Bandol conserverait leur identité et leurs prérogatives. En effet, dans ce cadre de pôle métropolitain, les EPCI collaborent dans les domaines choisis parmi le développement économique, la promotion de l'innovation, de la recherche, de l'enseignement supérieur et de la culture. L'aménagement de l'espace, la coordination des schémas de cohérence territoriale dont le périmètre est identique à celui des EPCI qui composent le pôle, le développement des infrastructures et des services de transport. Le pôle métropolitain présente aussi des avantages sur la représentativité des EPCI qui la composent. Je vous laisse réfléchir à ma proposition et vous demande de penser au domaine de collaboration. Sur le projet de schéma départemental de coopération intercommunale proposé par le préfet. C'est un peu clair, hein ? Voilà. Oui. Si le projet fait la piscine de la commune.
son poids. Est-ce qu'on pourra toujours garder notre identité? Non. Donc c'est avant d'intégrer TPN, parce qu'on sait tous aujourd'hui que la finalité c'est d'intégrer TPN. Ça, c'est sûr qu'il ne faut pas être naïf. Mais finalité, pour moi, c'est la métropole. Est-ce que je peux terminer les phrases? Quand? Oui, mais c'est la parole. Mais c'est la parole. Aujourd'hui, donc, c'est de poser quand même des conditions à une intégration. Et pas dire finalement, mais c'est bon, on ne dit rien, on va être intégré dans Toulon. Ou dans TPN. C'est ce qui ressortait quand même de la réunion qu'on a eue tous ensemble, parce qu'apparemment, tout le monde a midi, on a eu une réunion, c'était le vendredi 17 juin. On a eu une réunion le vendredi 17 juin, je vous rappelle, où il y avait des membres d'opposition, enfin tout le monde était là, et on a débattu un certain nombre de personnes sur lesquelles on était absolument d'accord, de dire qu'il fallait qu'on ait des projets. Et que sur Saint-Baume, il me semble que quelqu'un a dit que je connaissais bien, qu'il était une belle endormie, il fallait peut-être mettre un peu de substance là-dedans, et qu'on soit dans une situation de projet. Hein, et je pense qu'il y a un certain nombre de gens qui étaient d'accord. Bon, alors, tu étais là, un certain nombre de gens, Monsieur Delot qui était là, soutenait absolument ce projet, hein, notamment certains aspects au niveau des interconnexions, un certain nombre de choses au niveau des déplacements des gens, le banc qui ça reprise un nombre de choses, mais il est clair que c'est une intercommunalité de projet, parce que si on vient aujourd'hui avec ce qu'on a fait, effectivement, ça ne justifie pas pour avoir notre point. Donc moi je soutiens, parce que bon, on en a déjà parlé, il y a un certain nombre de projets qu'on peut définir avec la spécificité de l'Ouest de Var, et donc pour moi aujourd'hui la condition c'est celle-ci, c'est de se poser jusqu'à preuve du contraire, en attendant les questions de fiscalité qu'on ne maîtrise pas, mais qu'on élabore un peu le projet, qu'on soit en situation de discuter, si on doit finir, et dans la chaîne de M. Segal, hein, c'est qu'on soit dans une situation où on a besoin des projets qui nous mettent en situation de négociation, ça doit être avalé par Le président de la Ténavété, parce qu'il était PM. Oui. Mais je crois que le SCOT a voté contre parce qu'il y avait une majorité d'élus. Vous n'êtes pas compris.